arrivé. Bonjour mon frère. Bonjour le VP. Vous cherchez quelque chose? Non, excusez, c'est juste pour un enseignement. La voiture, elle est en vente ou elle a loué? Ah, bien sûr, elle est en vente. Cette voiture, elle est en vente. Ah, ok. Ouais. Mais la voiture, est-ce qu'elle peut arriver en France? Cette voiture-là, oui, oui. Elle va jusqu'à derrière Paris. Ah bon, hein? Oui. Mais derrière Paris, c'est quelle ville qui est là-bas? Le village qui est derrière Paris. Oui. Ça, nous, on ne connaît pas. Hein. Sinon, c'est une full option qui est là. Il y a Elise en bas. Hein. Ah quand bon? Il pleut net, elle rentre dans l'eau en même temps, elle s'en va. Waouh. Ouais. C'est une vraie voiture que vous voyez. Une vraie voiture. Ouais. Mais vous la faites à combien? Le prix, c'est pas cher, c'est 7 millions. 7 millions. 7 millions. Ok. Y a pas de soucis. C'est ce genre de voiture-là que mon client aime. Bon, ok, il n'y a pas de soucis. Hein. Moi, je vais vous envoyer un client tout à l'heure. Le client, dès qu'il va venir, moi, je ne suis pas à faire des. Non, hein. Ma commission est de 150 000 francs. Pour ma commission. Sur notre vente. Oui, oui, sur votre vente. 150 000. Oui. Toi, ce est 150 000 francs. Je suis 15 000. Non, mon fils, j'en ai 150 000 francs. Non, le père. Pourquoi t'as me donné 50 000? Tu es sûr que ton client il est concret? Il est concret, vieux père. Il est puissant. Il est puissant. Il est liquide. Il conjugue pas toi. Du côté conjugation, mais il n'est pas fort là-bas même. Ah. Il va pas venir lancer les sourates ici. Non, hein. C'est pas un imam, le père. 150 000. C'est bon, on peut lui donner. On peut lui donner. Non, non, on accepte. Non, le père, comment il vient avec mon client? Dès que vous me voyez venir avec lui en même temps, vous me donnez mon enveloppe. Tranquillement. On se laisse. En même temps. Oui. Il a fallu le père. Donc tout à l'heure, il revient si mon client. Prêt, on n'est pas en retard. Hein. Non mais j'étais après le père. On donc il revient tout à l'heure mon client. Bien reçu. Et voilà, le père. Ah. Nous le soleil. On le dit. Le jour le soleil. Ah, nickel encore. Toujours dit d'avoir foi en moi. Faut avoir confiance en moi. Hein? Moi là, j'ai acheté une voiture. Vois quoi? Faut changer tes chaussures là d'abord. On doit pingo jour. Le père. Ouais mon petit. Ça marche. Quoi ça? Ça marche comme quoi ça? Tu m'as envoyé où ça? Ils ont accepté. J'ai accepté le père. Et puis le gens là. Moi je suis là. Dans les bêtes. Hé. Oh ça va. Oh, aidez-moi à me lever. Oh. 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 Oh mon mari. Voilà, on passe comment mon petit? Attends, il va bien. Voilà, parce que mon petit, arrivé là-bas, tu me suis seulement. Ok, pas de soucis. Je vais faire le travail, hein. Je vais parler, voilà. Hein? On va faire un tour à la maison rapidement, puis on va continuer. Ok, pas de soucis. Voilà. Ben, il faut que les artistes soient réunis. Dis-moi, c'est qui lui là? Aïe, toi aussi. C'est Bonaza. Ah, le père, le client là. Ah bon, c'est le client qui est là? Oui. Il est prêt? Très, très prêt. Ma commission. Ta commission? Ok, Sosolet. Bien que j'ai sa commission. Ah, comme d'habitude. Allons-y. Ok. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ok, c'est vous l'intéressé? Oui, tout à fait, ouais. Ok. Et déjà, dites-moi, quelles sont les caractéristiques de la voiture? Les caractéristiques de la voiture? Ouais, ouais. C'est une full option. Okay. J'ai déjà dit à votre manager qu'il y a une hélice en bas. D'accord. Quand il pleut, elle rentre dans l'eau en même temps, elle s'en va. Oh là là, c'est super ça, mon amour. Et puis elle va jusqu'en France, hein, même derrière Paris. Ah bon? À l'aise. Ah. Ok, ça c'est déjà bon. Et, mais comment dire, l'origine de la voiture? Son origine en fait. J'ai dit que c'est une full option. Oui, oui, ça c'est les caractéristiques. Mais l'origine en fait. L'origine. Sa provenance. Sa provenance. Oui. Parce qu'en fait, vous êtes censé connaître tout ça. Hein? Parce qu'on ne peut pas vendre un produit sans toutefois connaître la véracité même du produit, de l'origine du produit. Ce n'est pas possible. Parce que ce que vous ignorez peut-être, cette voiture que vous voyez là, elle date de 1800. 1800. Elle date de 1800. Est-ce que vous voyez un peu? Et la première personne qui a roulé dans cette voiture là, est-ce que vous la connaissez? C'est Hillary Clinton. Non, non, non. Ah bon? Non, et Gorbatchev, pardon. Gorbatchev a été la première personne à conduire dans cette voiture. Au temps de l'URSS. Et lui, à son tout cas, il est décédé. C'est le président américain Clinton qui a roulé dedans. À son tour, a laissé à son fils Hillary Clinton. Est-ce que vous voyez un peu? Mais vous êtes censé maîtriser tout ça. Et Hillary Clinton, quand il est décédé, George Bush, son fils et le père ont roulé dedans. Mais arrivé à un certain moment, oui, merci mon amour. Ah ouais, merci beaucoup. Arrivé à un certain moment, il fallait faire changer un peu d'air à la voiture. Donc du coup, ils ont transité la voiture des États-Unis à Paris. Et là, la première personne qui a conduit dedans à Paris, c'était le président Pompidou. Pompidou? Vous avez connu Pompidou? Et Pompidou est décédé, c'est De Gaulle qui a récupéré la voiture. Donc cette voiture a servi de De Gaulle. Entre Paris et Côte d'Ivoire, c'est dans ça que De Gaulle roulait.
Et c'est dans cette période-là, en fait, qu'ils ont fait le pont de Gaulle. Or, de Gaulle était l'ami à Oufoué Boigny, Félix Oufoué Boigny, le président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui a fait qu'à côté du pont de Gaulle, vous voyez qu'il y a le pont Félix Oufoué Boigny. Donc, de Gaulle, avant de retourner, il a laissé la voiture à Truc. Oui, merci, mon amour. Ah, oui. Je vais vous relater l'histoire. À son tour, a laissé la voiture à Félix Oufoué Boigny. Oh, Félix Oufoué Boigny, qui avait son chancelier à l'époque, Kofi Gado, lui a laissé l'héritage. Oh, Kofi Gado aussi était le chéri de Myriam Makeba. Myriam Makeba était la copine à Tchalamona. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, cette voiture que vous voyez là, monsieur, non, déjà, mais vous la vendez à combien déjà? Monsieur, oui, monsieur, vous êtes venu pour payer cette voiture? Ouais, ouais. Ou bien vous êtes venu reprendre l'histoire de la voiture? Oui, mais je vais acheter, je vais acheter la voiture, mais il faut connaître l'histoire. Je vous apprends maintenant l'histoire de la voiture. D'accord, bon. Elle est à vente à 7 millions. Cette voiture, vous la vendez à 7 millions? 7 millions. Ah non, mais c'est que c'est pas la peine. Mais avec tout ce que j'ai cité, vous ne connaissez même pas l'histoire de la voiture et vous vendez ça à 7 millions. Moi, je prends 100 000. Voilà. 100 000. Non, viens-moi. Ça, c'est pas un vélo. Ah. Mais vous ne connaissez pas. Bon, eh bon, ce qu'on va faire, on va couper court. Je vous donne 450 000 francs. Apprends-vous à laisser. Hein. Chérie, c'est bon, ça te va? Ah, c'est qui? Assume-moi, il est monté dans la voiture. Faut t'arranger. Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Là, c'est Latis Bonaza. Je vous invite à utiliser mon code promo Bonaza225 pour jouer au 1xBetter. Et le plus intéressant dans cette affaire, c'est que lorsque vous utilisez mon code Bonaza225, au premier rechargement, déjà vous avez 200% de bonus sur vos comptes principaux pour vos paris. Alors d'ici là, bonne chance et on est ensemble. À nous là.